Très bien, c'était comment? C'était un bon match de coupe, voilà, avec un bon terrain de coupe. Et voilà, on a fait le travail, on a gagné. Et voilà, en coupe, ce qu'on demande, c'est la victoire et on s'est qualifié. Là, c'est on, mais personnellement, plutôt content, non? Ouais, ça va, je suis plutôt content de moi. J'ai fait mon match, j'ai fait une passe D, un but, et voilà, j'en avais besoin pour la confiance aussi, parce que. Et surtout aussi pour avoir un peu de temps de jeu, parce que voilà, j'ai commencé le match, ça fait un moment que j'en avais pas commencé un. Et voilà, ça fait du bien de reprendre un peu le rythme. Même si c'est une équipe de R2 en face, c'est important les sensations en elles-mêmes, même si c'est une équipe effectivement qui est beaucoup plus faible en face. Ouais, c'est ça. Bah après, moi d'un point de vue personnel, c'est d'abord de retrouver des bonnes sensations, de retrouver du rythme. Et après sur le terrain, voilà, c'est une équipe d'R2 d'une division inférieure, mais voilà, c'est un match de coupe, c'est toujours compliqué. Au début, les joueurs s'arrachent et voilà, c'est ce qui fait le football, c'est toujours dur. Tout le monde peut gagner tout le monde, donc c'est compliqué et on a fait quand même le taf. Malgré l'écart de niveau qu'il y avait, on a vu que le Sporting n'a pas pris le match par-dessus la jambe, a pris au sérieux cette équipe, était impliqué et à la fin, le résultat parle de lui-même. Ça fait du bien aussi de concrétiser. Oui, ben c'est comme j'ai dit, c'est un match de coupe, donc les matchs de coupe, il faut tous les prendre au sérieux. On a vu que on a l'habitude, chaque année il y a des surprises. Un jour, enfin la veille de notre match, il y a eu trois clubs de Ligue 2 qui ont été éliminés par des divisions inférieures. Donc voilà, même si bon là c'est vrai que c'était une R2, mais il faut rester concentré, c'est toujours compliqué et on l'a fait. Vous le disiez, c'était important pour la confiance, pour vous de retrouver le chemin défilé. Quand on est attaquant, on a besoin de marquer. Là, il y avait vraiment besoin pour vous, vous ressentiez ce besoin d'enfin marquer dans cette saison. Oui, voilà, c'est ça. Bah, après, avant le match de coupe, j'avais aussi marqué. J'en avais besoin. C'était un but important pour moi. C'était aussi un but important pour l'équipe. Donc voilà, je suis satisfait. Et voilà, il faut que ça en amène d'autres. Et j'en doute pas. Là, vous avez passé d'un extrême à l'autre, puisque demain soir, vous allez affronter une équipe de Lorient qui est dans les meilleurs quand même de ce championnat de Ligue 2. La série de matchs sans victoire, elle a été cassée. Pas en championnat pour le moment. Selon vous, qu'est-ce qu'il va falloir demain pour mettre en difficulté cette équipe de Lorient? Bah, il va falloir qu'on ait ce petit déclic qui va réussir à nous faire basculer un match. Voilà, on a une longue série en championnat de matchs sans victoire. Voilà, on compte bien y remédier demain. On sait que c'est une grosse équipe, ils sont second du championnat. C'est une belle affiche. On a souvent répondu présent dans les belles affiches, pendant les belles affiches. Et je pense que demain c'est un match à prendre à sérieux. Et c'est peut-être ce match qui peut nous faire basculer.